Les amis, vous connaissez ces tunnels qui sont juste derrière moi. En effet, ça sert à rien de vous prévenir qu'aujourd'hui on se retrouve pour un ne choisissez pas le mauvais tunnel. Bon bah du coup, je viens de vous prévenir. Et aujourd'hui, les tunnels qui sont face à nous représentent des personnages qu'on n'a pas vus depuis extrêmement longtemps. Bon, mis à part Sonic, mais lui, il n'y a plus d'originalité. Donc aujourd'hui, les amis, on sera avec Huggy dans la base rouge d'Ametukosita qu'on n'a pas vu depuis extrêmement longtemps sur YouTube dans la base verte. Bien évidemment, du coup, Sonic. Nous serons aussi avec Sirenhead. Et pour terminer, nous aurons Momo. Donc effectivement, Ametukosita et Momo sont des personnages qu'on n'a pas vu depuis 2 ans environ sur YouTube. Bon, Momo a été relancé un petit peu par Razen ces derniers temps, mais moi j'ai repris Ametukosita. Donc aujourd'hui, les amis, accompagnés de Lena, ma petite amie, ainsi que de Chase le chien, on va directement commencer par la base rouge qui est la base de Poppy Playtime. Donc on peut voir, ok, on a déjà des petits jouets, très bien. Et du coup, Chase, en attendant, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais, ça va très bien, et toi? Bah ça va plutôt bien, Chase. Et toi, Lena, comment tu vas? Bah ça va très bien, et toi? Eh ben, toujours parfait, hein, comme j'ai dit à Chase. Donc nous, les amis, on va commencer à s'avancer dans la base de Poppy Playtime. Et on va ouvrir les portes. Et voilà, regardez Huggy qui est toujours là devant nous. Avec la petite mission, retrouve Poppy et libère-la. Donc Poppy, je rappelle, c'est la poupée qui représente un coquelicot. Et du coup, on va, je pense, aller se mettre dans le petit labyrinthe qui sont les conduits d'aération avec Chase et Lena. Et je vous rappelle que quand on rentre dans ces conduits, souvent, Huggy disparaît pour venir à notre trousse et essayer de nous tuer. Alors, on essaye de pas trop séparer. Ouais, non, il est pas très marrant, hein. Franchement, vu sa tête, moi, je ne m'approcherai pas de lui. Chase, Lena, on va commencer à y aller. Let's go. On va prendre les premiers chemins. Donc, on va voir un petit peu par où on va passer en essayant, bien évidemment, de faire attention à Huggy pour pas qu'il nous attaque comme d'habitude. Alors, bien évidemment, il peut arriver à n'importe quel coin du labyrinthe et c'est extrêmement dangereux. Donc, par où pouvons-nous passer? Est-ce que vous me suivez? Ok, bien évidemment, ils ne me suivent pas, donc on va faire le labyrinthe tout seul aujourd'hui, les amis. Et on les retrouvera à la sortie, je pense. Wow, 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 Huggy. Ok, il est parti par là-bas. Moi, je vais là. Ok, il y a Lena, vite, cache-toi. Huggy est pas très loin. Les amis, c'est extrêmement dangereux. Vous l'avez vu tout comme moi avec son couteau dans la main. On passe là, on passe ici. Ouais, il est super grand ce labyrinthe, les amis. Dites-moi si vous vous y retrouvez. Et moi, je ne m'y retrouve pas du tout. Wow! Il est là. Wow, le screamer, il m'a fait super peur, les amis. Attendez, je vais pas passer par là. On va essayer ici. Bon, les amis, le labyrinthe m'a l'air plutôt grand. Alors, je fais une petite ellipse et je vous retrouve quand j'aurai retrouvé la sortie. C'est parti, let's go. Les amis, je me fais poursuivre par Huggy. Je l'ai vu, il est pas loin. Attendez, je vais mettre là. Il est là. On a vu son couteau. On va se mettre ici. On se cache. On va essayer de retourner dans le chemin où il est bloqué. Je crois que c'est ici que Poppy est caché. Parce que c'est vrai qu'il protège un petit peu cet endroit, j'ai l'impression. C'est pas là. Les amis, c'est extrêmement... C'est beau. Regardez, Poppy est juste là. Huggy ne m'a pas trouvé. Vite, on prend Poppy et on se taille. Il est là, je l'ai vu, les amis. Est-ce qu'il m'a vu? Non, je crois pas qu'il m'ait vu. Non, c'est bon. On peut partir. On court, allez. On essaie. Ouh, il m'a touché. On va vers la sortie, les amis. Let's go. On essaye de partir très loin d'ici. Aïe. Ah, il est furax. On passe par là. Aïe. Vite. On passe ici. Il veut plus me lâcher, les amis. On essaye de sortir. On passe là. Attendez. Gauche. Attendez. Je me retrouve plus du tout. Les amis, il est beaucoup trop grand ce labyrinthe. Les amis, Huggy veut pas me lâcher. C'est bon, la sortie. Vite, Chase, Lena. On sort. Vite, derrière les portes, vais fermer. Go, Chase, vite. Ouais. Chase, sort. C'est bon, les amis. On s'en va, vite. Ok, normalement la base de Huggy est terminée. On aura réussi la mission à récupérer Poppy Playtime. Let's go. C'est bon. On est sorti, les amis. On peut fermer les portes, les condamner. Et on va libérer Poppy. Je vais aller la mettre où, Poppy? Poppy, on va la mettre juste là. Regarde, on va la mettre à l'entrée du tuyau. C'est bon. C'est parfait, les amis. On a réussi une mission. Enfin, donc on va pouvoir passer à la prochaine mission, c'est parti, let's go. Bon les amis, du coup nous on est prêts, on s'est échauffé pour la prochaine base et aujourd'hui c'est Chase qui va choisir. Chase, quelle base tu veux prendre pour la suite de la vidéo? Alors déjà lui il est moche. Ok, pas d'Ametukosita. Ok, pas Sirenhead, ni Momo, d'accord. Ok, on va voir Sonic, c'est parti, let's go les amis. Avec une très belle présentation du feuillage qui est plutôt accueillante. Alors je pense qu'on va pas avoir affaire à Sonic.exe, mais juste à Sonic, quoi qu'après on est dans une belle grotte. Alors c'est vrai que je me méfie un petit peu quand même. On va voir ça les amis, on va s'approcher, on va regarder la pancarte.
affronte Sonic au Sonic Kart. Ah, pas du tout, c'est Sonic normal. Alors ça passe. Coucou Sonic, comment tu vas? Ça va Sonic? Ben ça va plutôt bien. Bon Sonic, j'ai vu aujourd'hui dans ta base, on va devoir t'affronter au Sonic Kart, comme la plupart des fois où on te voit en tant que Sonic normal. Du coup j'imagine que les cartes sont juste là, j'ai le rouge, tu as le bleu, c'est ça? Rectification, tu as le rouge. Ok, génial, je m'attendais pas à mieux venant de toi, tu vois. Bon allez, laisse-moi mon rouge. Donc il y a que deux cartes, alors j'imagine Chase et Lena, vous pouvez nous attendre ici. Et je vais juste regarder où est la ligne d'arrivée, Sonic. Elle est juste là, la ligne d'arrivée. Donc c'est bon, je suis prêt, Sonic. On peut monter dans le kart. Est-ce que tu veux faire le décompte, Sonic? Si tu veux. Hein. Allez, fais le décompte, je t'attends. Fais-toi plaisir. 5, 4, 3, 2... Wow, wow, il démarre super vite. Qu'est-ce que tu me fais là, Sonic? Oui, il est dur ce parcours, les amis. Attendez, on passe là. Ouais, c'est super dur. Attendez, go, 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 on tourne. On va là, let's go. Qu'est-ce qui est... Wow, des coulées de lave. Ok, ça, faut faire super gaffe, les amis. On passe à côté des coulées de lave. Aïe, je me suis fait très, très mal. Hop, on passe dans l'eau. Ok, là, faut faire bien attention. Hop, on passe sur le petit ponton. Let's go, c'est parti. Ça va, jusqu'à présent, je tiens à court, Sonic ne m'a toujours pas dépassé. Un petit peu de lave, ok, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais là, Sonic? Aïe, 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 vite, vite, non, non, non. C'est bon, je vais gagner, les amis. Ça y est, j'ai fini. Et Sonic, je sais pas trop ce qu'il fait. Je sais même pas comment il a fait pour passer là. Vous avez très bien vu qu'il n'est pas passé devant moi. Je sais pas ce qu'il a fait. Tu t'es téléporté, très bien. Sonic est un peu bizarre. Pourtant, dans Sonic Boom, il n'y a personne qui a des pouvoirs de téléportation. Mais Sonic, du coup, j'ai gagné cette base contre toi. J'imagine que ça sert à rien de faire une course à pied. Tu me lamines, bien évidemment. Donc nous, Sonic, on va y aller. Merci à toi pour cette petite course. Non, 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 vraiment, j'ai pas mal d'autres bases à faire. Tu peux faire ta course à pied tout seul si tu veux. Mais moi, je vais y aller, les amis. Ce chien-chien qui... C'est Chase, c'est un policier. Il a le droit d'avoir des armes, il a le permis. Mais les amis, si dans des prochaines vidéos, vous voulez que Sonic et moi, on s'affronte à la course à pied dans une énorme course, dites-le moi en commentaire. Et ce sera avec plaisir qu'on fera une vidéo sur ça. Bref, Sonic, nous, on va y aller. Très bonne journée à toi, j'imagine. Et du coup, amuse-toi bien dans ta grotte. Hein. Ok. Ok, bon, il a l'air de s'en foutre un petit peu, les amis. Mais nous, on a encore réussi la mission. C'est parti, let's go. On va pouvoir sortir de là. Donc voilà, allez, c'est parti. On a encore terminé et on se retrouve pour la prochaine base. C'est parti, let's go. C'est bon, les amis, on est sorti de la base de Sonic. Et du coup, maintenant, c'est à toi, Lena, de choisir quelle base tu veux faire. Alors, dis-moi laquelle tu veux faire en particulier. Tu m'as l'air de regarder avec contemplation sérénette, donc on va partir sur ça. C'est bien ça que tu veux? Oui. Allez, bah c'est parti, on part sur sérénette, les amis. Très belle présentation avec des arbres. Et c'est un petit peu monotone, du coup, je pense que sérénette doit être méchant. Ouais, du puzzle par terre. Elle doit être bien méchante, je pense, comme d'habitude. Donc, récupère l'épée et tue sérénette. Ok, les amis, il y a de la lave. Pour l'instant, avec une trace de sérénette. Wow, j'entends son alarme. Elle doit pas être très loin. Il doit pas être très très loin, les amis. Regarde bien au-dessus, on passe à droite. On va essayer de trouver l'épée, du coup. Attention, j'ai vu un truc, là. J'ai l'impression d'avoir vu un truc. Non? Wouh, wouh, elle est juste là, la team. Regardez, Sérénette, pourquoi elle saute? Je sais pas pourquoi elle saute, elle s'est tapé un petit délire. Elle est en train de sauter, je pense, elle est en train de nous attendre. Ok. Donc là, on va essayer de trouver cette épée, les amis. Je vais essayer de prendre de la hauteur, parce qu'il y a des petites montagnes. Ouais, les amis, pourquoi elle saute, Sérénette? Elle est super bizarre, je vois pas pourquoi elle saute, c'est trop cringe. Bon, bref, c'est nous, on passe là. De quoi? C'est une fille, Sérénette? Bah, je sais pas si c'est une fille, hein, mais on dit une alarme, une sirène, du coup. Imagine que c'est une fille. Allez, les amis, nous, on va essayer de s'aventurer, Sérénette est juste là, on passe là, en dessous des roches. Elle m'a vu, c'est trop tard. Elle m'a capté, je pense, il y a moyen que ce soit sur là. Oh, attendez. Non, il y a rien ici, il y a pas d'arbre. Wow, wow, wow. Ok, elle est juste là. Aïe, aïe. Aïe, vite, vite, vite. De l'eau, Chase, de l'eau, Chase, Chase, Chase. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, je vais mourir. T'es où, Chase? Les amis, en fait, le problème, c'est que dans les ne choisissez pas tout ça, je peux craindre la lave en ce moment. C'est extrêmement dangereux, vite, de l'eau, de l'eau. Ok, parfait. Ok, c'est bon. Y'a ça, rien à dire, y'a ça, rien à dire. Vite, vite, vite. Ok, les amis, c'est extrêmement dangereux. J'ai perdu Lena, je sais pas où elle est partie. On va trouver cette épée. On va la trouver. Ok, il a vraiment mis de l'eau partout. On monte, let's go. Elle est là, elle est là. Oh, y'a un coffre. C'est bon, die Sirenhead, c'est ça. Les amis, je pense qu'avec ça, je peux tuer Sirenhead. Ok, il faut qu'elle s'approche de moi. Elle a peur, elle a peur, elle est en train de fuir. Elle est en train de fuir. Viens là, Sirenhead. Je sais pas où elle est en train de fuir. Attendez, elle peut pas aller très loin en plus. Aïe, aïe, ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Essayez de la ramener vers moi, ça serait cool. Comme ça, je lui mets 2-3 coups d'épée et c'est fini.
Les amis, ouais, elle va super vite. Hop, allez, hop, c'est bon, elle prend des dégâts. Ça y est, je pense qu'il y a moyen qu'on va vite la tuer. Aïe, aïe, c'est bon, vite, vite, vite. C'est bon, les amis, Sirenette est morte. On a réussi à l'éliminer. Mes félicitations, Chase. Et bravo à toi, Léna. Je sais pas trop ce que t'as fait, mais merci quand même pour ton aide. Je vais me débarrasser de cette épée, j'en ai plus besoin. Et on va pouvoir sortir de cette pièce, les amis, avec un magnifique arbre tout en plein milieu. Et on passe à la prochaine mission. Vous connaissez la suite. On fait une petite ellipse. C'est parti. Les amis, c'est bon. On est sorti de la base de Sirenette. Et du coup, c'est à moi de choisir maintenant. Et j'ai décidé que pour conclure cette vidéo... Bah, pas conclure parce qu'il restera une base. Mais on va rester sur les deux bases que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu. Alors pour commencer, on va se faire un petit Dametukosita. Parce que j'ai envie de m'ambiancer un petit peu. Et je pense que Dametukosita est plutôt gentil. Regardez, il nous fait une petite danse. C'est vraiment mignon. Donc on va pouvoir y aller. Donc vous pouvez me suivre. Aïe, qu'est-ce que tu fais, Chase? Par contre, Deka, moi ouais. Je vais rentrer à la maison parce que je suis un peu fatiguée. Ah bah pas de souci. La sortie est par là-bas, derrière les rochers. Ne t'inquiète pas, je te rejoins à la maison juste après. Et toi, Chase, tu décides de venir ou pas? Alors, moi je vais rester là parce que je vais dormir. Fais-toi plaisir, repose-toi un peu. Bah, je vais aller voir Dametukosita tout seul, hein, pas de soucis. Vous m'abandonnez, j'ai compris. Moi, je m'en vais. Hein. De toute façon, personne ne m'aime dans ce monde. Allez, je me casse. Aïe, aïe, ok. Vous m'aimez bien, vous m'aimez bien. Bon, les amis, donc un petit couloir vert pour commencer. Ne me dis pas que c'est encore un labyrinthe. Non, ça m'a pas l'air d'être un labyrinthe, juste un couloir. Ouais, voilà. Ok. Et Dametukosita, te voilà enfin. Ouah, c'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce que Dametukosita? Ok, bon, comment tu vas, Dametukosita? T'as l'air de péter la forme, ouais, tu parles même pas. Eh ben, Dametukosita, c'est un plaisir de te rencontrer. Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne t'a pas vu. Les amis, dites-moi si vous le connaissez. Et donc, montre-moi un petit peu. Affronte-moi dans ce parcours. Ok, parcours, ça m'a l'air de continuer et d'arriver par là avec un petit peu de lave qui m'a l'air bien dangereux. Donc, Dametukosita, pas de soucis. On va se mettre juste là. Viens là, viens là. On va le commencer ici, ton parcours. Donc, le premier arrivé à gagner, d'accord? C'est parti. 3, 2, 1, let's go les amis, on y va, on commence avec un petit peu d'avance sur Dametukosita. Let's go, let's go. Oh, il y a un trampoline, ok, c'est parfait. Hop, on continue, on saute encore. Let's go, c'est parfait les amis. Hop, on esquive un petit peu la lave, toujours, encore. Ok, wow, ok, ça c'est bon. Hop, on saute, parfait, hop. Alors, il y a des poissons globes, il faut faire bien attention parce qu'ils peuvent nous empoisonner. Un petit peu de slime, let's go, ça m'étonne pas. On passe ici, au-dessus de la lave, hop, ici. Ouais, ouais, il est bien en retard, hein, Dametukosita. Aïe, non, non, les amis, non. Non, il y a moyen, je vais perdre, du coup. Attendez, attendez, faut pas que je perde. Oh, je suis en train de cramer. Ok, ok, attendez, je veux pas mourir comme ça. Non, non, ok, c'est bon. Ok, est-ce qu'on va y arriver? La team, je suis en train littéralement de cramer. C'est bon, je crois qu'on y est. C'est bon, j'ai gagné. Et Dametukosita n'a pas du tout gagné, il est bien loin et il est là, regardez. C'est bon, ben bravo à toi Dametukosita, c'était une très très bonne course, j'aime bien ta base, franchement un petit peu de parcours comme ça. Ok, bon, il a l'air de s'en foutre un petit peu, mais c'est pas grave. Dametukosita, nous on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo peut-être. Et ben bonne journée à toi aussi comme à Sonic, hein. Nous les amis, on va y aller comme d'habitude, vous connaissez, on met une petite ellipse, c'est parti, let's go. Voilà, c'est bon les amis, on est en dehors de la base avec Chase qui dormait un petit peu. Chase, réveille-toi, let's go. Ah, oh, wow, 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 wow. On va se calmer, Chase, tranquille, tout doux. Bon, Chase, tu vas me suivre du coup. Il nous reste une dernière base à faire pour conclure cette magnifique vidéo, les amis, avec la base de Momo. Momo, du coup, qui était un pirateur à l'époque et qui faisait des jeux illégaux pour que les enfants, au final, je vais pas aller plus loin, pour que les enfants essayent de finir un peu leur vie, on va dire. Donc, à ne jamais chercher sur Internet, je vous le dis très clairement, c'est une très mauvaise chose. Donc, regardez déjà, Momo fait extrêmement peur, hein. Elle fait coucou. Il les a arrêtés. De quoi? C'est mon équipe de police qui les a arrêtés. Ah bah, je suis fier de vous, hein. Vous avez bien fait d'arrêter Momo parce que vraiment, elle fait plutôt peur. Donc, les amis, regardez rien que le décor dans l'entrée de sa base. Il est plutôt terrifiant, hein. Juste des blocs qui volent. C'est assez glauque, donc on va pouvoir s'avancer dans la base de Momo. Ok, tu me suis, Chase? Ouah, les amis. Ok, pour les épileptiques, c'est très très mauvais, ça. Ouah, 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 les effets d'optique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez, est-ce que... Détruire le PC de Momo. Ok, je pense que le PC, c'est justement là où il a préparé son jeu, Momo. Il va falloir le détruire. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là? Quel Disney parle d'Internet? Ok, on a des questions. Et je pense que si on a peau, on meurt. Donc, quel Disney parle d'Internet? Encanto ou les mondes de Ralph? Il me semble que c'est les mondes de Ralph, hein. C'est bien ça, Chase? Ouais, c'est ça.
Ok, les amis, dites-moi en commentaire. Ouais, c'était bien ça, c'était les mondes de Ralph. T'as une trop grosse tête. Ah, t'as une trop grosse tête. Attends, je vais essayer. Voilà, t'es sortir de là. Ok. Où DiaboloFit35 a acheté un serpent. Ah, ça, les amis, si vous suivez DiaboloFit35, vous le savez, on a soit Botanique. Botanique qui est une enseigne où on vend des animaux et des fleurs. Et le Dark Web. Alors, je travaille à Botanique. Alors, je sais très bien, je travaille dans le rayon animalerie. Je sais très bien que ce n'est pas Botanique où on vend des serpents. Parce que la plupart du temps, on n'a pas le capacitaire des reptiles. Donc, c'est le Dark Web. C'est ça, c'était bien ça. Donc, tu peux passer, Chase. Parfait. Quel site énerve les lycéens? Ah, ça, c'est pour moi, ça. Amazon ou Pix? Ouais, les amis, si vous êtes collégien lycéen, vous savez très bien, c'est pas Amazon qui énerve les lycéens. Ça, au contraire, ça sera plutôt Pix. C'est bien ça. Hop, tu peux passer. Parfait. Qui est le créateur de Minecraft? Ah, du coup, on a mes deux parents, Herobrine et Notch. Si vous suivez mon roleplay, vous savez que ce sont mes deux parents créateurs. Ce n'est pas Herobrine qui a créé Minecraft. Lui, c'est le frère caché de Notch. Non, non, c'est pas Herobrine. Non, n'ouvre surtout pas cette porte. Moi, je sais très bien ce que je dis. Et voilà, c'était ici. Donc, tu peux passer. Let's go. Hop, parfait. Et as-tu peur de Momo? Alors, non, elle est trop nulle, je l'ai arrêtée, moi. Moi, personnellement, si je dis oui, je pense que c'est pour la mort. Alors, je pense que je viserais plutôt un non. Ou alors, c'est deux morts, j'en suis pas sûr. On va essayer le non. T'en penses quoi? On essaye non, Chase? Ok, bon, ben, ça part, les amis. Alors, prépare-toi à avoir peur. Quoi? Tiens, on va ouvrir les portes. C'est bon, les amis, regardez, il y a le PC de Momo qui est juste là. Attendez, attendez. On va le récupérer. Non, non, le détruis pas comme ça. On le récupère juste. C'est bon, les amis. Bon, bah, les amis, nous, c'est parfait. On a notre... Wow, qu'est-ce que... Les amis, il y a Momo. Regardez, le décor a totalement changé. Elle lève doucement la tête. Elle lève très doucement la tête. Ça, ça me fait peur. Ça, ça me fait extrêmement peur. Elle fonce sur nous. Elle fonce sur nous, les amis. Vite, faut qu'on se casse. Vite, fais bien gaffe à la lave. Les amis, regardez comment ça change. Vite, le décor. On passe là, on passe là. Aïe, aïe. Elle fait mal, on passe ici, on passe à gauche. Les amis, qui aurait cru que ça aurait pu changer de décor comme ça si on aurait détruit le PC de Momo? Le jeu est donc terminé, tout le monde est sain et sauf. Mais bah du coup, pas nous sur le coup parce qu'on risque de mourir. Vite Chase, passe, aïe. Passe Chase, il faut vite fermer. Qu'est-ce qu'il fait? Chase, vite. Passe, let's go. Normalement, elle peut pas sortir les amis. C'est bon, il me semble qu'elle est bloquée. Elle est bloquée et moi je suis en train de cramer. Qu'est-ce qu'il y a Chase? Il y a un faux Momo ici, j'ai eu grave peur, je crois que c'est elle. Oui, je sais qu'il y a un faux Momo. Maintenant, les ne sais pas sont représentés comme ça. Mais ça y est, les amis, la base est terminée et elle a totalement changé. C'est bon, on a enfin accompli notre mission. Donc nous, les amis, vous avez compris, c'est sur ça qu'on va se quitter. Un grand merci à tous les acteurs qui étaient présents aujourd'hui. Il y avait Ida, Shinoti et Lunia Studio. Du coup, toutes leurs chaînes sont bien évidemment en description. N'hésitez pas à les checker, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était un plaisir d'accueillir ces nouveaux personnages sur la chaîne YouTube pour la toute première fois depuis extrêmement longtemps. Et les amis, nous, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien, c'était DK et Chase. Bisous à tous.